Donc salut à toi, c'est Florent du site Global Investisseur. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de te présenter un de mes mentors que j'ai suivi au tout début de ma carrière d'investisseur immobilier, si je peux dire. Donc je vais te le présenter, il va te présenter son parcours qui est très 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 inspirant. Et aussi pour toi qui es au Canada, voilà, là je te ramène vraiment quelqu'un qui investit en France. Et pour que tu vois comment se passe l'investissement immobilier en France, le business en France, de manière générale. Donc j'ai l'honneur de te présenter Hassan. Salut Hassan. C'est check. Donc Hassan, est-ce que tu pourrais te présenter et raconter un peu ton parcours? Donc je sais que... Tu veux que je vienne jusqu'où en fait sur le parcours? Au tout début. D'où tu viens, qui tu es? Tout début. Alors moi je suis un petit gars de province qui n'est pas entre guillemets bien né. C'est-à-dire que je suis un pas d'une famille... aisé, on ne parlait pas argent ni investissement, c'était d'ailleurs même un peu tabou, l'argent dans ma famille. Mais j'ai tout de suite été entrepreneur dans l'âme, dès que j'étais gosse. Je vendais des billes, je vendais des cartes NBA, je ne sais pas si tu te souviens, les cartes NBA, c'est les Jordan, des trucs comme ça. Bon, on n'est pas de la même génération, mais voilà, donc si tu veux, ça a été mon parcours de jeune enfant. J'ai très vite été entrepreneur parce que je ne supportais pas l'autorité. Donc je pouvais pas considérer que j'avais un patron au-dessus de moi. Donc j'ai fait ce choix de devenir entrepreneur aussi par rapport à ça. Et j'ai difficilement monté un magasin de prêt-à-porter et de chaussures. D'accord. Qui au final, à un moment donné, à force d'effort, a plutôt bien marché. J'ai développé un concept en étant propriétaire de 3 magasins. D'accord. Jusqu'à la crise de 2008 où j'ai fait faillite. Sur ces trois points de vente. D'accord. Et depuis cette période, je me suis dévolu exclusivement à l'investissement immobilier en achetant et en industrialisant le processus, c'est-à-dire achetant en masse de l'immobilier, en me professionnalisant. J'ai été chasseur immobilier pour le compte de clients. J'ai aujourd'hui une société de marchand de biens. J'ai aujourd'hui une société d'entreprise générale de bâtiments qui couvre toute la France. D'accord. Wow. Et j'ai un réseau de chasseurs immobiliers qui couvre également toute la France. D'accord. Donc là, tu as vraiment toutes les casquettes. J'ai, si tu veux, par rapport à l'immobilier au sens générique du terme, j'ai touché à tout. À tout. D'accord. Ouais. À quel moment tu t'es dit qu'il fallait que tu démarres dans l'immobilier? Parce que je pense pas que ce soit venu du... À la faillite? Ah, c'est suite à ta faillite en fait. Ouais, à la faillite. À la faillite, pour la simple et bonne raison, c'est que père de famille, plus un sou en poche, et que tu sais, tu connectes quand même assez rapidement. Tu te dis, bon, bah, que ce soit des sportifs, des acteurs, des industries, enfin des grands entrepreneurs, tout le monde a un peu de l'immobilier dans son parc. Et je me suis dit que ça allait être un levier qui allait peut-être me permettre de me relever. D'accord. Donc je me suis dévolu à corps et âme dans ce système. Je me suis pas éparpillé, tu sais, en me disant je vais faire peut-être un peu de bourse, peut-être un peu de ci, un peu de ça. Non, là, c'est vraiment immobilier focus, à 200% même. Ah mais comme quoi c'est bien, parce que et ça je le vois. Enfin moi ça a été mon cas. Quand on essaie de faire beaucoup de choses en même temps, donc tu vas faire immobilier, bourse, crypto-monnaie. Voilà, c'est vrai qu'on se perd. J'avais fait une vidéo par rapport à ça d'ailleurs, et je disais que l'une de mes erreurs, c'était de trop vouloir toucher à tout en fait. Et finalement, c'est pas la bonne méthode. Il faut déjà trouver. Si, déjà, faut le faire parce que tu aimes ça. Moi, l'immobilier, j'ai adoré ça. Faire des visites, acheter, revendre, mettre en location. Tu vois, industrialiser ce système, j'ai adoré faire ce système-là, ouvrir ma boîte de bâtiment, créer un réseau de chasseurs, toutes ces choses-là, j'aime faire ce que je fais. Si déjà tu n'aimes pas ça, si déjà tu viens, par exemple, à l'immobilier, que tu commences à faire des visites, parce que, on a parlé un petit peu en off, on t'a promis dans certaines vidéos qu'en 6 mois tu vas devenir millionnaire, tu ne fais pas l'immobilier pour la bonne raison. Ouais. Il faut que tu le fasses en te disant, bon, attention, l'immobilier, c'est pas aussi rapide que ça parce que c'est quand même déjà, un, premièrement, c'est chronophage, deux, il y a une question de temporalité entre tes achats, tes flips, ta mise en location, ta rénovation, il y a une question de temporalité. Donc,
toutes les petites graines que tu vas semer, elles vont pas se démultiplier demain. Mmh. Il va falloir que tu sois à un moment donné patient sur ton retour sur investissement en te disant que ça va mettre un petit peu de temps. Et moi, par rapport à ma faillite, j'ai une phrase que je ressors souvent, c'est « j'ai mis 10 ans pour être riche du jour au lendemain mmh, ». Exactement. Alors après, tu la prends dans les deux sens en fait, cette phrase. Tu te dis « j'ai mis 10 ans, oh merde, c'est long », ou tu la prends du jour au lendemain. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. C'est non mais c'est vrai, c'est enfin non, justement on en discutait. Quels sont les conseils que tu pourrais donner vraiment à quelqu'un qui se lance en immobilier? Parce que c'est vrai que sur internet on a beaucoup de comment dire, de promesses, fausses promesses si j'ai envie de dire, qui nous voilà, qui disent que ouais tu vas devenir millionnaire en 6 mois grâce à l'immobilier. Qu'est-ce que toi tu penses de ça? Je sais que tu es un fervent combattant en fait de ce type de, enfin tu es contre ce type de discours et moi aussi. Mais selon toi, quel est l'état d'esprit à avoir quand tu démarres en immobilier? Il y a deux états d'esprit à avoir. Déjà, la première des choses, c'est il faut être clair sur une chose. Il y a des gens, je te l'ai dit tout à l'heure quand on en parlait, il y a des gens qui sont très sceptiques en se disant non, l'investissement immobilier ou faire de l'immobilier, que ce soit en France ou je ne sais pas comment ça se passe chez toi au Québec, mais ce n'est pas possible de gagner de l'argent. Et ça, c'est une vraie et une grave erreur. Pourquoi? Parce que au niveau peut-être de l'État, au niveau scolaire ou au niveau... c'est pas des choses qu'on va t'apprendre à gagner de l'argent à travers l'immobilier. Tout à fait, ouais. Et on te, tu sais, tu, les gens vont écouter, je dis une bêtise peut-être, BFM Business, où on va te dire, eh ben, le seul moyen de gagner de l'argent, ça va être faire un Pinel, un Robien, ou tu vois, de défiscalisation. Ouais. Et puis les gens se rendent compte que finalement, c'est pas possible de gagner de l'argent avec l'investissement. Donc il y a beaucoup de sceptiques qui se disent quand ils voient des types comme moi, comme toi sur internet en se disant mais attends, ils nous racontent n'importe quoi, c'est pas possible de gagner de l'argent avec l'investissement. Et puis donc il y a un juste milieu à trouver avec aussi cette partie, cette branche de gens qui regardent des vidéos, qui vont voir des vidéos en disant oh, la promesse est fantastique, le gars est devenu multimillionnaire en l'espace de 6 mois. Non, donc, il faut comprendre une chose, c'est que l'immobilier, il y a du temps qui se met, il faut aussi y mettre beaucoup d'engagement. Ouais. Il faut aussi, comme je te disais, c'est important ce que je te disais tout à l'heure, mais c'est aimer ça. Mmh. Tu vois, moi par exemple, j'aime pas la bourse. J'ai un problème peut-être éthique avec la bourse, je sais pas, ça matche pas, j'en ferai jamais. Mmh. Et je pourrais pas mettre mon esprit en focus avec la bourse et je pense que j'y arriverai pas et que je serai pas bon parce que je suis pas quelqu'un qui aime ça. Bien, bon, tout à fait. Tu vois, donc tu dois aussi le faire par passion. Et si tu le fais juste par arrivisme d'argent immédiat, tu seras très déçu parce que ton retour sur investissement, il va être assez long, au niveau de tes investissements. À moins que tu sois un pro du flip immobilier. Mmh. Et puis après, faut pas oublier une chose. Là où les vidéos peuvent peut-être un petit peu perdre les gens, c'est la décorrélation entre le point de départ. Moi, je te dis, je viens d'une faillite. Mmh. Donc, c'est-à-dire, il n'y avait rien dans les poches. Ma famille derrière, elle n'a pas de moyens. Donc, je n'ai pas quelqu'un qui est venu m'aider. Mmh. Donc, c'est-à-dire que tu repars de zéro avec ma femme, petit salaire, des dettes encore à payer sur mes anciens magasins. Bref, tu vois, le point de départ, c'est j'ai un fusil sur la tête. Quoi. Donc ça, c'est le point de départ. Mais tu as des gens qui jouent avec cette subtilité de te dire je pars de zéro. Oui, mais si tu pars de zéro avec 10 000 euros par mois, 200 000 euros de capitaux, toi et moi, quand on va avancer dans nos investissements, si on met le même engagement, tu iras plus vite. Clairement. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est tout ça que les gens doivent comprendre et saisir quand ils voient des vidéos qui sont parfois très inspirantes, mais qui peuvent aussi décorréler de la réalité qui est l'investissement. Tout à fait. Ouais. Après, de toute façon, on en revient à la même chose. Investir, être un entrepreneur, c'est une obligation aujourd'hui, c'est une nécessité. Le parcours est très dur, le parcours va être très engageant, mais il peut être très beau aussi. Mmh. Il ne faut pas non plus, vendre du rêve aux gens. C'est important. Non, très beau message là. C'est vrai. C'est, enfin, comme on l'a dit tout à l'heure, on a discuté. Il y a vraiment ce. Enfin, moi, je pense également. Je pense que toi, c'est la même chose. C'est vraiment, il faut être engagé à 100% en immobilier. Pas juste faire ça. C'est vrai qu'il y a de l'argent en jeu, mais ça ne doit pas être la principale raison, quoi. C'est vraiment, faut que Trouves, faut que tu trouves réellement ton moteur.
ton moteur, c'est quoi? C'est que moi, personnellement, ça a été de mettre ma famille à l'abri. Ouais. Et ça a été un feu, tu vois, un feu intérieur de me dire, j'y arriverai. J'ai visualisé certains chiffres, certains temps de passage, j'y suis arrivé. Et le jour où j'ai réussi à mettre ma famille à l'abri, je me suis dit, ça y est, tu vois. Voilà, j'ai pas fait tout ça pour rien. Parce qu'avant, j'avais des cheveux avant de faire de l'immobilier. Le stress du quotidien. Le stress du quotidien. Je pense que peut-être ça va m'arriver aussi. Non, mais c'est vrai, c'est, enfin, quand, c'est vraiment quand tu as un pourquoi fort que ça te pousse vraiment finalement à dépasser tes limites. Exactement. Et selon toi, là, c'est beaucoup de personnes que j'ai des fois en coaching offert. Voilà, ils me disent, mais est-ce que c'est nécessaire de se former à l'immobilier? Voilà. Parce que bon, moi, je fais des accompagnements, tu fais des accompagnements. Selon toi, est-ce que c'est nécessaire? Et ça c'est un message pour vous au Canada. Est-ce que c'est nécessaire de se former pour faire de l'immobilier? Alors moi, j'aime bien prendre ces... Je prends généralement deux parallèles par rapport à ça. C'est... On va prendre juste un moment. On va prendre un premier parallèle. Ça va être celui où tu aimes le poker, mais tu connais pas le jeu. D'accord? Et tu t'assois autour d'une table de poker où tu as les Phil Hellmuth, tu sais, les grandes vedettes du poker. Bon, peut-être que les gens connaissent, peut-être que les gens ne connaissent pas. Et tu t'assois aux côtés d'eux et c'est que des pros. C'est vraiment des mecs, eux, ils savent tout sur tout. Et toi, tu sais ni ce que c'est une paire, ni un brolant, ni une quinte, ni quoi que ce soit. Tu t'assois. Tu vas peut-être avoir la chance du débutant de gagner une main, de gagner un pot. Une fois, deux fois, trois fois. Au bout du deuxième tour de table, ils t'ont repéré comme étant un fiche, ils t'ont repéré comme étant un débutant, et ils vont te manger. Il faut savoir une chose, c'est que le monde de l'immobilier, c'est un monde très cruel. Très, très cruel. C'est-à-dire que personne ne te fera de cadeau. Ouais. C'est un monde de compétition. C'est un monde où compétition, que je connais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as un bien immobilier, tu as plusieurs acheteurs, etc. Donc, on est là, on est sur un monde de compétition. Donc, faut que tu comprennes que personne te fera de cadeau, que ce soit avec les agences immobilières, que ce soit même avec les entrepreneurs. Moi, j'ai des entrepreneurs qui ont failli me mettre à tapis parce que ils m'ont abandonné des chantiers, etc., etc. Donc, si tu n'es pas préparé, si tu ne connais pas des règles du jeu qui sont ce que tu peux leur proposer en accompagnement en leur disant fais attention à ci, fais attention à ça, mets ton œil là-dessus, ou si tu pratiques de l'immobilier de cette façon, tu vas obtenir tel résultat, tu vois, ça serait une grave erreur. Et puis ce parallèle-là, tu peux le mettre dans tous les sens. Demain, tu as envie de faire un combat de boxe, tu vas affronter Mayweather. Ouais, c'est... Si tu n'es pas entraîné avant, là, ça va durer 3 secondes. C'est sûr. D'accord, c'est donc, c'est le but, c'est déjà de bien se préparer. Parce qu'on en a parlé tout à l'heure, il n'y a pas de diplôme reconnu. Alors, je ne sais pas si c'est aussi au Québec et au Canada de la même façon, mais en France, nous, il n'y a pas de diplôme reconnu, que ce soit pour être investisseur immobilier. Ce n'est pas un métier qui est reconnu. C'est une pratique usuelle, mais ce n'est pas un métier qui est reconnu. Moi, j'ai différentes casquettes. C'est-à-dire que moi, j'ai une boîte de BTP, j'ai un réseau de chasseurs immobiliers. C'est-à-dire qu'on a des cartes juridiques. Tu vois, on a des responsabilités professionnelles. Mais le métier d'investisseur, c'est un métier entre guillemets annexe. Et même si tu le mets sous la forme, alors en France, je ne sais pas si au Québec vous avez les SCI ou des systèmes comme ça. Mais même si tu le mets en SCI ou en SARL de famille, ça reste un métier qui n'est pas reconnu, en tout cas au niveau étatique. Tout à fait. Non, donc l'apprendre aujourd'hui grâce à des gens comme toi, comme moi, qui prodiguons ce genre de conseils, eh bien c'est un booster, c'est une accélération. Tu vois, moi je t'ai dit cette phrase, j'ai mis 10 ans pour être riche du jour au lendemain. Et si grâce à mes 10 ans de douleur, de sacrifice et avoir essuyé des plâtres, je peux te permettre de le faire en 5 ans, ça peut être pas mal. Ah, c'est sûr. Moi j'aime bien dire aussi qu'il y a une différence entre acheter de l'immobilier et investir dans l'immobilier. C'est totalement différent. Et ça, je le dis beaucoup de fois, c'est... Acheter, c'est à la portée pour n'importe quel imbécile. Tu vas voir un banquier, il te dit, voilà, tu peux emprunter tel montant, tu trouves une maison et t'achètes. Et investir, c'est,
style différent, car il y a des stratégies d'entrée, des stratégies de sortie, des stratégies d'optimisation, enfin tout ça, et vraiment c'est très 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 important. Après, bah, faut se former avec les bonnes personnes. Ouais, exactement, faut se former avec... On parlait de Mayweather tout à l'heure, son père c'est un des plus grands entraîneurs reconnus au monde. Voilà, donc... Et lui c'est un des meilleurs champions au monde. Mmh. Si tu vas te faire entraîner à la boxe par Gilbert qui a trois bagarres au bistrot du coin, tu seras jamais un grand champion. Ah non, c'est sûr, c'est tu sûr. Tu vois, donc il faut aussi que tu sois accompagné par des gens qui ont eux-mêmes éprouvé un petit peu le terrain. Ouais. Après, tout dépend des objectifs que tu vas avoir. Pour terminer, quels seraient le ou les conseils que tu pourrais donner, enfin, ça peut être immobilier, business, enfin, ton meilleur conseil que tu pourrais donner aux personnes qui nous écoutent? Ne pas avoir peur du sens du sacrifice. Alors déjà, ne pas oublier une chose, c'est-à-dire qu'investir, c'est déjà prendre un risque. Mais si tu vis déjà, vivre, c'est risqué. Tu prends ta voiture, c'est risqué. Ouais. Tu te déplaces, tu manges, tu vis. Tout est risqué dans la vie. Donc après, c'est mettre ce rapport entre toi, le risque que tu es prêt à prendre, et les ambitions qui sont en corrélation avec ce risque que tu es prêt à prendre. Mmh. C'est aussi simple que ça. Et puis j'ai envie de te dire, c'est qu'aujourd'hui c'est une nécessité. Je ne sais pas comment vraiment ça se passe au Canada, parce que moi je suis très bloqué dans mon pays. Mais en tout cas, nous, le système de retraite, il n'existera plus. Ouais, aujourd'hui, tu veux gagner de l'argent, bah, tu n'as pas d'autre moyen que de devenir un entrepreneur ou un investisseur. Mmh. Ce n'est pas un salaire capé qui va te permettre aujourd'hui transformer ta vie. Ouais, ouais. Et puis voilà, et puis c'est d'être prêt à... Oui, d'être prêt à souffrir et à se battre. Mmh. Je pense que c'est ça, mais d'une manière ou d'une autre, la vie est un combat. Donc après, si tu te mets dans cette zone, moi j'aime bien dire que c'est une zone d'inconfort. Ouais. Tu vois, plus qu'une zone de confort, parce que les gens aiment bien être dans l'inconfort. Ouais, parce que les gens sont au quotidien, se plaignent d'un truc où ils veulent pas sortir. Ouais. Tu vois, exactement. Ouais. Et bien, sors de cette zone d'inconfort et puis va te bagarrer pour être à un moment donné dans cette zone de confort. Tout à fait d'accord avec toi. En tout cas, comme vous le voyez, j'espère que cette vidéo vous aura, enfin cette interview vous aura plu. Plein de bons conseils d'Hassan. Ah, on pourrait parler encore des airs. Ouais, non, c'est sûr. D'ailleurs, tu t'organises bientôt un séminaire. Séminaire, c'est en avril. 6 avril. Bah, je mettrai le lien de son séminaire. Il a également sorti un livre tout récemment. Je mettrai le lien de sa chaîne YouTube. Hein. Influence financière. Tu as également une société de BTP. De BTP. Voilà, donc si jamais vous avez des projets en immobilier partout dans la France. Ça fait toute rénovation. That's the man. So, moi, je vous remercie beaucoup. D'ailleurs, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube. Et surtout, n'oublie pas de cliquer dans le lien juste en dessous. Tu auras accès à une présentation où je te montre comment moi et mon groupe d'investisseurs avons réalisé plusieurs investissements en 2018. Donc, tu vas choisir la prochaine séance et tu auras également accès à une session stratégique offerte lors de laquelle on va définir ton projet immobilier. Donc, moi, je te remercie beaucoup, Hassan. Merci à toi. Tu finis mon. Exact. On va faire un check comme ça au début, faut qu'on fasse le check là même. Bravo, vas-y, on merci à toi. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao les amis.